gens, c'est Evo, j'espère que vous êtes tous très bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va jouer à un Fortnite-like. Un Fortnite-like en gros c'est un jeu qui a parodié Fortnite. Voilà, donc c'est pas une parodie mais plutôt ouais, une copie de Fortnite. Bien sûr, bon, Fortnite est le best, on le sait très bien, mais c'est pratiquement tout le système. Vous pouvez construire, vous avez les mêmes couleurs d'armes, vous avez le même genre d'armes avec quelques armes en plus. Vous avez une map qui est pareil, c'est une map quand même assez grande, mais les graphismes ne sont pas du tout pareils. C'est toujours du cartoon, mais très très bas. Donc on va tout de suite jouer à Fortnite-like. Au passage, ce jeu s'appelle Creative Destruction. Voilà. Donc comme vous voyez, on est sur le jeu, donc Creative Destruction. Donc vous allez voir, il y a plein de petits trucs sympas que je trouve sur ce jeu, et plein de trucs à améliorer. Mais ce jeu d'ensemble, il peut être vraiment pas mal, d'accord? Donc déjà, bon, ils ont déjà commencé à mettre le système de skin, Battle Pass, voilà, pour ça on connaît, voilà, ça se rapproche de Fortnite, pareil, Battle Pass, vous pouvez acheter des skins, mais pour le moment, voilà, le mieux c'est de pas acheter, il faut attendre de voir à quoi il ressemble le jeu, voilà, donc, et de toute façon, je vous dis pas d'acheter, point barre, le mieux c'est de pas mettre votre argent dans des jeux comme ça, mais voilà, pour le moment, et il est gratuit, il faut le savoir. Donc je tiens à préciser aussi que ce n'est pas du tout sponsorisé, c'est que je kiffe vraiment ce jeu, j'ai joué un peu vite fait, et c'est assez marrant. Donc on va commencer une game, donc vous avez le mode solo, le mode duo, et ainsi de suite, vous avez pas mal de petits modes, la squad. Donc nous on va commencer en mode solo, donc en classique mode, tac, on me start, et vous allez voir à peu près. Vous allez voir vraiment le jeu, il y a vraiment des petits trucs sympathiques, et comme le départ, vous allez voir là quand le jeu va se lancer, donc là on a le lobby, mais vous allez voir juste après, avant que la partie commence, on va voir plusieurs personnages, il va présenter les joueurs, et ça va donner vraiment un petit style sympa, avec une musique vraiment cool. Donc là vous pouvez le voir, on a les personnages qui se présentent, et je trouve ça assez stylé quand même, ça je trouve ça... C'est stylé, la musique et tout, super. Après il y a plein de trucs à améliorer dans le jeu hein. Donc les mouvements, il y a vraiment pas mal de trucs à améliorer. Mais dans l'ensemble le concept est vraiment pas mal. Et surtout la map, parce que la map est très basique. On peut pas rentrer partout. À chaque fois vous êtes dans le taxi comme ça, vous avez une voix qui parle à chaque fois. Voilà, avec une petite musique. Donc là vous avez toute la map. Voilà, comme j'ai dit, ça se rapproche vraiment de Fortnite, c'est un Fortnite quoi. Vous pouvez zoomer, vous pouvez vraiment tout faire. Nous, exemple, on va vouloir spawn ici, on met notre point, pack, c'est bon, on a le point et tout qui s'affiche vraiment en bas, c'est voilà, c'est pareil. Par contre, voilà, vous descendez, vous avez plus le personnage qui parle, et là, enfin la voix, et là vous descendez. Mais c'est trop bizarre parce que la façon de descendre est trop bizarre. Rien que le son, il est énorme. Il est dégueulasse. Moi j'ai juste des problèmes de configuration pour les constructions. Vous allez voir juste après, et là on descend. Vous pouvez... Donc la vitesse maximum c'est 130 km/h et on les atteint très rapidement. Donc voilà pour vous le dire. Voilà notre parachute custom. Ok. Déjà on n'a pas d'armes, ça va pas du tout le faire ça. Donc ça c'est notre sorte de pioche. Là on va ramasser tout ce qu'on a besoin. Et donc dans ce jeu on n'a pas de bois ni de pierre. Vous ramassez vraiment tout ce que vous pouvez. Bon ça on peut pas, ça on peut. Ramassez tout ce que vous trouvez. Et en haut à gauche vous voyez il y a des carrés. En fait ces carrés là ça vous permet tout simplement de construire et tout. Donc là on va commencer à se trouver un peu de matos. Un petit cadeau, ouais, un beau petit t-shirt. Là pareil on ramasse un peu tout ce qu'on a besoin. Pour le moment il n'y a pas des joueurs de fou là dedans. Ah il y a le coffre là bas c'est bon. Mais il y a plein de trucs à améliorer ce jeu. Mais franchement comme il peut être stylé, le concept est pas mal après. À la base je crois que c'est un jeu mobile. Donc c'est une réadaptation en gros. Oh trop bien, j'ai jamais testé l'arc. On va tester. Ah ok. C'est bon, je viens de capter comment ça fonctionne. On va prendre des construits parce que j'utilise quand même un peu les construits. Bon, j'ai du mal à construire comme on ferait sur Fortnite. Parce qu'en fait le truc c'est qu'ils ont pas encore mis le système de turbo construit quoi. Vous savez quand on reste appuyé, ben là il faut appuyer plusieurs fois. Voilà. Regardez, vous allez voir les armes, on a la SCAR, on a le pompe, le même pompe on a en plus, le même pompe que dans Fortnite, la même SCAR. On a sniper, minigun, voilà le minigun. Ça je prends, ça je prends. Par contre, non, ça je, non, voilà. C'est ma seule arme pour le moment. Ah, mamma mia. Ça c'est pour moi. Voilà. Ça c'est quoi dans le cadre? Non, je suis pas intéressé. J'aime bien son t-shirt. Là on prend les munitions, ramassage automatique. Allez les ennemis. Déjà on est dans la zone, c'est pas mal. On va aller voir en haut. Ce jeu me tue. Voilà, là on va construire, c'est parti. Vous avez vu c'est exactement pareil. Enfin exactement non mais
Le concept est le même. Et je vous promets, normalement, pour faire topin, c'est facile. Hein. Je vais ramasser les munes. Ça peut être intéressant par contre. Non, j'ai assez de bandages, ça va aller. Ah, voilà. Bah là, je vous parlais du pompe. On va le prendre. Voilà. On va laisser l'arc. Ça, c'est quoi? Non. Hop, on ramasse. Give me. Thanks. Bon, bah du coup, on va laisser l'arc. Ah, on va dire le minigun, je crois que j'ai... Oh, le minigun, vous allez voir, il est cheaté de ouf. Minigun, vous pouvez casser toutes les constructions que vous voulez. Bon, tu tires pas droit. Hein. Alors, pour ça, il y a quelqu'un. C'est parti. Il m'a un peu touché quand même. Hein. Il m'a même fait peur. Je suis pas resté appuyé parce que je suis pas habitué à rester appuyé sur la touche tirée. Je donne toujours des à-coups. Il m'a même fait peur donc. C'est bon, c'est bon. Il m'a un peu touché mais pas énormément donc. Pas très grave. On va prendre masse de construit. Il nous faudrait un sniper. Le sniper il one shot pas. Hier j'ai essayé mais il one shot pas. Peut-être dans la tête mais c'est un peu dur dans ce jeu viser la tête. Sachant que j'ai l'impression qu'il y a quelques petites D5. Bon, on va retourner vers le centre. Vous avez vu le pompe? Le pompe les gars il one tap. Surtout le bleu. C'est hardcore. Hop. Ah je crois qu'il n'entendait pas. Oh my god. Vous savez qu'il a juste failli me def. Là vous allez juste sur le coffre, hop vous ramassez tout. Voilà vous ramassez tout son stuff. Tac. Par contre ouais. Je suis full HP soi disant. Ok. Parce qu'en haut je vois 100 mais c'est bizarre, il y en a jamais un qui m'a touché. Il m'a même fait peur. En fait vous avez vu, je sais pas si vous avez remarqué, mais juste quand j'étais en train de casser le rocher, on a vu un petit signe de pas. Et en fait ça voulait dire qu'il y avait quelqu'un qui arrivait sur moi et qu'on entendait des pas. Voilà, c'est un indicateur de pas, quoi. Allez, on va monter un peu. Pente-moi les UMP, là, c'est un peu chaud. Moi, j'aurais bien aimé autre chose comme arme, là. M16 ou quoi, ou une SCAR. La SCAR, je l'ai trouvé plusieurs fois, donc... Et vous avez vu, il y a un petit personnage qui nous suit, là. Juste là, là. Là. Il est bizarre, lui. On va aller monter, là. Regardez les nuages, comme ils bougent, c'est trop bizarre. C'est dégueulasse. Mais bon, allez, on monte. Oh! Et allez, il y a quelqu'un là-bas. Et voilà. Lui il avait une arme sympathique je crois. Parce que de là où il tirait mon pote. Eh ben voilà. Quoi te demander de mieux. Allez donne. T'en auras pas besoin de toute façon. Montage et tout on a. Allez voilà une SCAR les gars. Regardez comme elle est faite la SCAR. Elle est trop stylée. Elle est pareille. Franchement quand vous jouez à Fortnite avec la SCAR vous allez voir elle est exactement pareille. Allez. Elle est chargée. Ça c'est chargé. Par contre, j'ai plus trop de bunes de grenades. Tac. Vous pouvez switch d'armes très facilement avec les touches. Après, avec la comment ça s'appelle? Avec la molette, c'est un peu plus compliqué. Allez, hop. Là, on a assez de construit, c'est sûr. Hein. Là on a assez de construit pour faire ce qu'on veut. Ah il a un snipe lui. Il a one tap. Merde. Faut que je... Oh putain j'ai jamais fait ça par contre hein. Là y'a que sur Fortnite touché faire ça. Et encore. Nickel. On est bien là. On va se mettre là-bas dans la ville. Hop, hop, hop.
sait jamais, c'est un qui nous court après. J'aimerais bien avoir juste un petit sniper. Je suis jamais allé à cette ville, parce qu'à chaque fois la zone n'était pas là. J'ai pas non plus découvert toute la map, c'est pas comme si je jouais toute ma vie à ce jeu, mais... Le concept est pas mal du jeu, quoi. Vous voyez, il y a des... Je sais pas si vous avez remarqué, il y a des petites saccades quand on court. Et ça, il faudrait vraiment qu'il améliore. Donne. On va essayer de voir. Ouais, ce que je voulais vérifier. En fait, c'est bon, je suis vraiment full HP. Tant mieux, hein. Ça, c'est ok. On n'est plus que 18. Je cherche vraiment du fight, mais... C'est très dur. La map, après, est quand même assez grande. Hein. Mais après, c'est sûr, elle est pas beaucoup travaillée. Mais il y a pas mal d'endroits différents et c'est ça qui est bien. Vous voyez, il y a des ponts. C'est ça qui est bien. Après, c'est sûr, il faudrait améliorer les graphismes du jeu parce que c'est très très bas, quoi. Quand on voit que le tonneau, à la base, il est rond et là, on le voit en mode avec les bords carrés, quoi. Ah, AK-47. Nous voilà, on va la prendre. Voilà. Voilà les pads pour sauter. Ça, c'est les jumps. C'est pareil. C'est comme dans Fortnite, vous avez les jumps, quoi. Nickel, on a notre snipe préféré. C'est parfait. Ça. Ça, c'est bon. Allez. Alors, normalement, il faut mettre la plateforme. Ah non, je suis totalement fake dans mon truc. Je croyais que c'était un jump. Ah, c'est les... Je suis con. C'est pour faire les sols et tout. Enfin, il y a plein de trucs différents, quoi. Vous avez vu, je suis en même temps que vous. Je découvre le jeu. Ah, ça, on va le prendre en bleu. Putain, on est bon. Là, vous avez votre inventaire. C'est comme ça que vous choisissez vos armes. Moi, je vais mettre ça là, plutôt. Ouais, c'est bon. Déjà on est dans la zone, c'est pas mal. Hier je me suis tellement cru dans... Pour de bon, je me suis cru dans Fortnite. J'ai commencé à faire mes rampes comme ça. J'ai sorti le pompe. Bon, j'ai séché le type. Après les sauts sont très bizarres. Les sauts, j'ai l'impression que des fois ils te freinent. Après il est en early access. Hein. Ils vont sûrement l'améliorer. On va faire un petit top 1 pour notre game. Allez mes petits, venez, tonton Evo est ici, il reste 9 joueurs, allez les 9 joueurs, dans la zone comme ça on doit bien au moins se voir. Wouhou. Là-bas. Battle! Yes! Il m'a fait mal. Oh, je commence à stresser là. Lui, il jouait depuis un petit moment, dis donc. Ça, ouais. Ok, on me tire dessus. On va bien se mettre. Il y a qu'un qui tire au snipe ou je sais pas quoi, mais il tire quoi. Eh non. Oh! C'est ça fight, ça fight. Eh, ils sont chauds là, ça y est. Wow. Vous avez pas niqué mon top 1 quand même. J'ai envie d'aller chercher son stuff. On y va les gars, on va chercher son stuff parce que là, s'il y a un truc sympa, ce serait bien.
Allez, tombe. Ouais, non. C'est où il est? Décale, décale, décale. Il y a le bullet drop. J'ai pas le meilleur sniper du monde, mais... on va essayer de le décaler là. Il était là, non? Mais il était là, bro, je l'ai pas flingué. Ah, ok, j'en vois un là-bas. Je l'ai mis tellement low. Un V1. Easy. Va-t-il le faire? Mode triard activé. Ah, allez. C'est le dernier de au-dessus de moi, je suis dans la merde. Bon, vous voyez, vous pouvez voir la zone qui est... voilà, là on est dans la zone. On la voit la zone, elle est juste là, le petit trait blanc là. Tout là. Ben, ça fait la zone qui arrive quoi. Ouais, elle va s'arrêter. Allez mon petit. Où es-tu? Il va pas faire le coup du... à chaque fois qu'il en reste deux, je sais pas pourquoi, ben... soit on tombe sur un truc où on le voit jamais, genre, et je fais top 1 sans même le tuer. C'est très bizarre. Allez, c'est bon, la zone rétrécie. C'est là où on va pouvoir voir vraiment. Est-ce qu'il se cache? C'est possible, hein. J'essaie de l'attirer. Voilà, c'est ce que je dis. À mon avis... il doit avoir quelques bots pendant la game. On a les vrais joueurs et on a les bots. Et après, je suis pas sûr qu'on ait 100 encore. Hein. Je crois que les serveurs n'acceptent pas les 100 personnes. Donc voilà. Encore top 1. J'arrête pas de faire des top 1. Ok. Chaque game que j'ai fait top 1. Bon, après, vous avez vu, on est tombé sur des vrais joueurs. Hein. C'est pas des joueurs qui sautent et qui construisent comme ça. C'est la face des joueurs. Et les. Normalement, je crois que si on voit des bots. Ce qui est possible hein, quand même, parce que le jeu n'est pas très connu, ils ont dû mettre des bots pour qu'on puisse quand même s'amuser et tomber sur des joueurs. Donc les bots, c'est ceux qui d'habitude qui bougent pas trop. Dès que vous voyez des gens qui commencent à rafale, qui sautent un peu et tout, là c'est des joueurs. On le reconnaît direct du moins, on le voit. Mais vous avez vu, là donc je passe les levels, mais je finis tout le temps top 1, donc je monte vite les levels. Et donc voilà, comme je vous parlais du Season Pass, voilà ce qu'ils appellent le Season Pass quoi. Et là voilà, vous montez de level, vous gagnez ça, ça et ainsi de suite. Après il faut monter quoi. C'est exactement comme Fortnite. Et voilà. Donc déjà vous pouvez vous faire une idée du jeu. Après le jeu dans l'ensemble est pas mal. Et voilà, moi je vous le conseille si vous voulez vous amuser un peu et tout. Franchement, il est top. Bon, les gens, j'espère que cette parodie de Fortnite vous a fait kiffer. Voilà, c'était un petit gameplay pour vous présenter le jeu et tout, parce que je voulais vous présenter plusieurs jeux. Vous le savez très bien que sur ma chaîne, je vous l'ai dit. C'est enfin le premier gameplay qui revient sur la chaîne. Si jamais vous avez aimé ce petit concept de gameplay où je vous fais découvrir des jeux, des trucs comme ça, faites-le moi savoir vraiment dans l'espace commentaire, de laisser un énorme pouce bleu et surtout, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous dis à la prochaine. C'était Evo. Peace tout le monde.